Salut et bienvenue sur la chaîne Docteur Altier pour une autre vidéo. Dans vivre dans un monde côté que pouvoir l'argent c'est objectif en pile monde. C'est pas étonnant si dans monde là gagne en pile monde qui pas même gagne un dollar pour utiliser pendant une journée et dans l'autre banque monde qui possède des millions de dollars pour ne pas dire plusieurs milliards. Environ 2053 c'est quantité milliardaires qui gagne dans le monde là. Parmi eux, il y a 234 femmes selon Forbes. Et bien vidéo ça pourrait présenter 10 femmes qui gagnent plus l'argent dans le monde là. Si vous appréciez l'idée, bye vidéo à un like. Abonnez à la chaîne nous si vous voulez qu'on en pile bagaille. Pas oublier de mettre cette cloche de notification surtout pour chaque fois que nous postions une vidéo pour joindre. Il y a des vidéos à net pour qu'on tout bagaille. Mais avant, je vais poser une petite question. Nous tous connaissons que YouTube c'est un média social qui permet de poster ou sinon garder des vidéos sur les réseaux. Mais est-ce que vous connaissez date YouTube qui est créé? Choisis une réponse à vous. A. 9 octobre 2006. B. 4 février 2003. C. 14 février 2006. Enfin, vidéo à n'abord. Bonne réponse là avec quelques petits détails sur les. Gina, c'est une femme d'affaires australienne qui fête 9 février 1954. Gina, c'est la 10e femme qui gagne plus l'argent dans le monde à cause qu'elle a dirigé une entreprise qui porte le nom Hancock Prospecting Group. Entreprise Gina, spécialisée dans l'exploitation mine fer, elle gagne 10% dans l'action Channel 10 qui est une grosse chaîne dans le pays Australie. Et c'est actionnaire principal Fairfax Media qui est un journal dans le pays. Fortune Gina estimée à 13,1 milliards de dollars. Zhong, c'est une chinoise qui gagne 59 ans qui a dirigé Hanso Pharmaceutical. Une entreprise qui produit médicaments. Fortune Zhong, c'est 14,6 milliards de dollars américains. Pas vraiment gagné un pile bagage dans la vie de lui. Lorraine, c'est une américaine qui fête 6 novembre 1963. Marie, c'était Steve Jobs qui est cofondateur Apple. Et faut que nous préciser que Steve Jobs est mort 5 octobre 2011. Lorraine, c'est une femme d'affaires qui hérite un pile d'argent grâce à travail Marie. Et Lorraine possède un bon parti dans une grande entreprise dans le monde qui est The Walt Disney Company. Lorraine Guy Fortuny qui est estimé à 16,4 milliards de dollars. Il est numéro 8 dans le classement. Suzanne, c'est héritier d'un constructeur automobile qui est très populaire dans le monde. Non, c'est BMW. Suzanne fête 28 avril 1962 dans le pays Allemagne. Elle est une femme d'affaires et possède une entreprise qui est Altana qui spécialise dans faire produits chimiques et médicaments. BMW, Altana et l'autre bagaille encore mettent ensemble pour bailler Suzanne une fortune qui est égale à 16,8 milliards de dollars. Yang, c'est une chinoise qui gagne 38 ans. Elle est une femme d'affaires qui possède 57% dans Country Garden qui est une entreprise qui règle les affaires promotion dans le domaine immobilier. Jeune femme ça a gagné environ 20,3 milliards de dollars et c'est numéro 6 dans le classement. Jacqueline fête 10 octobre 1939 dans le pays États-Unis. Il s'est hérité d'un tiers dans une société qui fournit bonbon à manger qui bon pour bête. Société a porté nom Mars. Jacqueline gagne 24,7 milliards de dollars et c'est la 5e femme qui gagne plus l'argent dans le monde. Mackenzie, c'est une américaine qui fête 7 avril 1970. Elle est une femme d'affaires et elle écrit livre tout en couramment. Mackenzie, c'est ex-madame Jeff Bezos, propriétaire Amazon. 1992, Mackenzie et Jeff Bezos étaient mariés, mais arrivé dans l'année 2019, ils étaient divorcés et ils étaient sortis à un canal d'argent ex-mari qui gagné à Amazon. 36 milliards de dollars, c'est fortune Mackenzie Bezos gagné en main. Julien, c'est la 3e femme qui est plus riche dans le monde après qu'elle ait hérité 42% dans Coach Industry et fortune est estimée à 38,2 milliards de dollars. Françoise fête 10 juillet 1953 en France. Il s'est hérité Oréal, un groupe industriel français qui fait produits cosmétiques. Bédencourt partage richesse sa yo ak Timon Lyo et il possède 33% dans le groupe industriel sa. Françoise Bédencourt, c'est numéro 2 dans le classement avec 48,9 milliards de dollars. Alice fête 10 juillet 1949 dans le pays États-Unis. Il s'est unique petite fille fondateur Walmart là qui c'est Sam Walton. Alice c'est fille qui est plus riche dans le monde là et sous richesse qui est basée sur Walmart qui c'est une entreprise qui s'est fait en couillon boutique. Fortune Alice c'est 54,4 milliards de dollars. YouTube t'est créé 14 février 2005 par trois anciens employés PayPal. Steve Chen, Chad Hurley et puis Jared Karim. 9 octobre 2006, Google t'a acheté YouTube pour un montant de 1,65 milliards de dollars. Siège social YouTube, c'est San Bruno dans l'État Californie. Merci à vous de regarder toute vidéo. Abonnez à la chaîne pour nous garantir. Continuez à partager la vidéo parce que nous voulons arriver à 10 000 abonnés dans la fin de l'année.